Et salut, c'est Nico et Lucas. De VTT Plaisir, donc plutôt Lucas et Nico, c'est plus poli. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un peu particulière. On s'est engagé sur un ruel, le ruel des Maillons. Voilà, c'est la fête du village des Maillons. Et on va faire ce qu'on appelle un ruel dans le sud-est. Et au mois de juillet, sous la canicule, ça va donner. Allez, on se retrouve tout de suite sur le VTT. Roder les plaquettes, j'ai changé les plaquettes ce matin. Ouais, alors les ruelles, ben, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît les ruelles. Ah oui, c'est là. Ouais. Et ouais, c'est là. Le principe des ruelles, à la base, c'est faire des courses de VTT dans des villages assez anciens. Alors plus il y a de marches en pierre et de difficultés techniques, et plus et mieux c'est. La particularité des ruelles des Maillons, pardon, c'est que c'est en été, parce qu'en règle générale, c'est à l'intersaison, les ruelles. C'est genre novembre, décembre, quoi. Un peu comme ici, cross. Bonjour. Bon, c'est juste le tour de chauffe pour l'instant, ça va. On s'échauffe doucement. On va remonter. Oh. Je m'en rappelais plus de ça. Hein. Oh. Ouais. Pour rappel, il fait quand même. Ouais. Enfin, parcours, celui-là. Même en début, là. Regarde. J'ai pas passé déjà. Voilà, pour rappel, il fait pour l'instant 34 degrés. Bah, les ruelles des Maillons, c'est dommage parce qu'il s'est pas bien connu. Et ça gagne à être connu, moi, je trouve. On l'a fait l'année dernière, on s'était bien marré. Là, cette année, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de participants. C'est bien dommage. Et un truc qu'il faut mettre en avant aussi, c'est que c'est un ruel qui est ouvert au VAE aussi. Et ça, c'est pas commun. Ah oui, c'est ça là qui fait mal, ouais. Je vais exploser moi dès le premier tour, c'est pas possible, il fait trop chaud. On rentre chez l'organisateur, carrément. Je rappelle qu'on a un tour de chauffe. Hein. Hop, ils sont partis comme des balles. Les barres du castor. Et après c'est full tout chaud. On va manger ici près. On y est vraiment vouloir. Ah, ça me rappelle des vieux souvenirs. Putain, juste Nico, juste, mais c'est juste son prénom, non? C'est juste son prénom. Man.
Reste pas le coup, attends. Ah Cyril, ouais, t'es toujours là quand je suis pas bien. C'est Ronan, il roule pour hop, les chiens rouillent. Il est en VAE ce coup-ci, mais c'est un putain d'enduriste en musculaire. Bon, je parle plus, je suis à l'agonie. Ah, je suis vraiment... Merci, merci, il m'en faut. Merci. Ça fait du bien ? Ah oui, ça soulage. Je suis limite Gerbil. Oh là là. Ça bloque les jambes, tu t'en bats les couilles. Oui, il est sans le pied ce coup-ci. Putain, ça revient derrière. Ça revient derrière. Avec les VAE, tu parles dans les côtes, il nous tue. Parce qu'on arrive à gratter un peu en technique. Ils nous le mettent x2. En physique. Allez, on filme. Hein. Vous êtes filmé, je vais. Je suis fait laver. Le barrage du Castor. Je sais même plus si j'enregistre ou pas. Tombé. Ou quoi? Mais ça arrive derrière. Il y a les mobilettes qui arrivent derrière. Un peu de gaz. On va pas se faire prendre un tour. On tente le coup, ouais, fuck. Ah, j'étais pas loin. Je suis bien content d'avoir fini, tu vois. Ouais, c'est parti qui me tue.
quand ils font le dernier tour. Allez, allez, dernier tour. C'est parti. On va finir la piscine. Le ballon. Oh, oh, oh. Eh bah tiens. Tiens les deux musculaires là. Ça va pas taille. Vas-y, poche, vas-y. Je m'en souviendrai. C'est encore Nico qui perd tout dans le dernier tour. Champion du monde. Là, tu peux faire le barbeau sur YouTube après. Allez, on en fait rien. Pas pédé. Pas pédé. Non, merci. Je m'en rappelle de l'année dernière. C'est du génépi là, l'année dernière. Nico, t'es en train de faire des gens. T'es plus bon à rien. Deuxième. Oh, c'est deuxième. VTT plaisir, c'est terminé. Bah on fait deuxième. Bah c'est pas mal, bon, sur deux équipages en musculaire. On n'est pas dingue. On est deuxième. Deuxième, quatrième au scratch. Sur cinq. Ouais. On a battu une équipe de VAE. Ouais. Bah cette année, ça a manqué un peu de participants, on va pas se mentir. Et c'est quand même dommage. Alors je vous encourage, vous savez qu'à mi-juillet, bah, y a un ruel super sympa au village des Maillons. Et bah c'est peu connu et pourtant c'est très familial, c'est très sympa. Le parcours est bien. Le parcours est exigeant mais très très bien technique, typé enduro. Voilà, parce que bien souvent les ruelles c'est typé XC, on va pas se mentir non plus. Et là c'est vraiment typé enduro. Alors il y a des grosses montées comme vous l'avez vu qui pètent bien les jambes, mais par contre niveau descente il y a ce qu'il faut. J'ai failli m'en coller une grosse, je sais pas si je l'ai en vidéo, mais si je l'ai en vidéo, vous avez dû vous marrer parce que ouais, là j'ai frôlé la correctionnelle, alors bien comme il faut.
Mais ouais, je vous encourage l'année prochaine vraiment à venir. Nous, on y sera. Sauf gros empêchement, mais on y sera. Parce que c'est vrai, ça fait déjà 2 ans. L'année dernière, c'était plus relevé. Il y avait plus d'équipes en musculaire. On avait fait le podium aussi. On avait fait 3e. Je sais pas comment on avait fait d'ailleurs. Je sais pas comment on avait fait, mais on y est arrivé. Et bon, là, cette année, c'était facile à faire un podium là sur 2 équipes. À moins qu'on s'explose dans un palmier. C'est pas passé loin, mais non. Non, non, donc c'était bon. Donc, ben, merci à l'organisation. Et ben, on vous donne rendez-vous l'année prochaine. J'espère qu'il y aura plus de monde, mais je pense que j'essaierai de relayer un peu plus l'info maintenant. Maintenant que je sais qu'ils ont besoin d'un peu de pub. Donc, ben, j'essaierai de filer la main, comme j'essaye de le faire souvent. Voilà. Les amis, je vous souhaite de bons rides. Et faites du vélo.